reçoit ce matin Marie Benoliel, alias Marie Saint-Filtre. Bonjour Marie. Bonjour, merci de me recevoir. Mais avec plaisir. Du matin, mais tout va bien. Vous avez eu un petit café, ça passe très bien. Hop. Comédienne, autrice, chanteuse, danseuse, ça c'est un talent au complet, on va dire. Mais d'abord, si on vous connaît, c'est parce que vous vous êtes infiltrée partout. Là, on vous invite, mais vous auriez pu vous infiltrer sur le plateau de Télématin. Ouais, vous auriez pu. C'est venu comment, ça? De s'infiltrer partout? Oui. Ouais. C'est une joie pure. Le fait de ne pas avoir besoin d'être invité pour participer à l'événement. Mais vous avez un culot incroyable. Il n'y a rien qui vous fait peur, qui vous arrête. Alors, tout me fait peur, mais rien ne m'arrête. Mais c'est quand la première fois que vous avez dit « je vais m'infiltrer, je vais y aller » Je ne sais pas, j'ai créé ce personnage à un moment de transition entre mes études et ma volonté d'être artiste. Et je me suis dit que ce serait pas mal de trouver son indépendance par des petites vidéos, des vidéos donc, sur YouTube, que j'ai fait comme ça. Et donc, j'allais dans des sujets d'actualité, dans des événements d'actualité, politiques, etc., parce que c'était des sujets que je connaissais un peu, parce que j'avais fait Sciences Po. Donc, ça me rattachait un peu à mes études précédentes. Mmh. Et comme j'avais une grande volonté de chaos dans ma vie... Boum, on y voilà va. Voilà ce qui s'est passé. Et bon, on va regarder un extrait pour essayer de se rendre compte, peut-être, ce que c'est, justement, Marie Saint-Filtre, comme ça, dans la rue, avec un culot incroyable. J'ai envie de m'enfumer, faut du Menders. Si t'as les poches vides, il te faut des bangers. Je passe à la cité, récupère des bangers. Le Menders est jaune comme l'équipe des Lakers. Celle qui avoisine les 1 kg de Menders. Midi, midi, Menders. Que des plans phares pour des bangers. La moula, c'est du Menders. $250, you'll be around $300. You know, I'm an influencer in France. And for me, it's just one month of salary. That's good. Awesome. Il est 11h, je ne suis pas bourrée. Culot lillois. Le culot lillois, c'est évidemment de s'apercevoir à 10 minutes de prendre le train que tu t'es pas trompé de gare. C'est de réserver une chambre au Carlton sous le nom de Strauss-Kahn ou de Saumur, tout simplement. Non, mais vous prenez des risques quand même. Qu'est-ce qu'ils vous disent au défilé Chanel où vous infiltrez? Ils me disent de sortir en appelant la police, par oui. exemple. Vous êtes fait un petit peu de... Non, je suis un peu, ouais. Oui. Chahuté, mais après, ce sont des brindilles de 42 kilos, donc... Elles font pas le poids. Marie, votre plus gros coup, c'était quoi alors? Je sais pas si j'ai vraiment de plus gros coup. Moi, mon plus grand bonheur, ça a été quand même de repasser le bac à 25 ans. Ah, ouais. Ah vous êtes allé dans une épreuve du bac? J'avais tout. Boum, j'ai fait l'épreuve de philo. J'ai pas tout retapé. Il y a des complices quand même, on vous filme. Oui, il y a quelqu'un. Mon complice, j'ai un complice dans la vie. Toujours le même. Toujours le même, Maxime Alouche, mon associé, qui est mon partenaire. In crime, comme on dit. Vous savez que parfois, on peut se faire avoir. Une fois, je filmais la famille Balkany qui arrivait au moment des municipales. Vous étiez en train de faire un happening sur la place. J'ai mis 10 minutes à me rendre compte qu'en fait, ce n'était pas une vraie levalloisienne qui était là. Très drôle, ce que vous dites. Oui, heureusement, on s'en rend compte. Enfin, bon, au bout de 10 minutes. Vous êtes passé pour la fille cachée de Balkany. Exactement. Mais c'est quoi le but? Le but. Waouh. Waouh, oui. Et ça, c'est vraiment une question très absurde. Ça me renvoie à de grandes angoisses existentielles. Ouais. Le but, je dirais, c'est quand même d'interroger un petit peu la société à l'origine, de lui apporter un autre regard qu'un regard moralisateur pour aborder plein de problématiques et peut-être faire évoluer. Non, le but, c'est juste de s'amuser. Ça nous fait sourire, hein. Faut être honnête. Les vidéos, elles sont absolument exceptionnelles. Et donc, après ces vidéos, ça y est, vous êtes dit, maintenant, on va monter sur scène. Donc, spectacle, culot, partout en France, du 4 au 21 décembre prochain, dans tous les Zéniths. Là, vous êtes dit, ça y est, maintenant, on va monter sur scène. Là, les spectateurs, ils seront prévenus. Enfin, les spectateurs. Alors, je ne me suis pas dit, ça y est, on va monter sur scène, parce qu'en fait, j'ai créé les vidéos pour monter sur scène. Donc, dès que j'ai commencé les vidéos, j'avais déjà un premier spectacle, parce que les vidéos ont toujours été conçues comme un outil pour la scène, outil de communication. Et là, c'est sur le Zénith, là. Dans tous les Zéniths, c'est autre chose. Alors là, c'est une autre scène, ouais. Là, on parle, oui. Mais on parle des Zéniths de France. Je flippe à mort, là. Ah ouais? Bien sûr que je flippe. Alors, on regarde un extrait de ce que ça peut donner, peut-être. Si Marie Saint-Filfilt, flippe. Un mélange de tout ce que j'aime, le chant, la danse. Incroyable, j'ai jamais vu un spectacle comme ça. Totalement chamboulé, même encore là j'ai envie de pleurer. C'est vraiment un espace libre en fait, j'ai adoré. En tout cas moi je m'attendais pas à ça, avoir un peu une introspection d'elle-même qui est partagée avec son public. C'est un vrai show, vous dansez, vous chantez, vous faites de l'impro, vous faites même intervenir le public. C'est une vraie performance, vous êtes épuisée à la fin. Épuisée.
Je suis morte. Je suis morte. Il y a trois parties, désobéir, oser et jouir. Oui, qui sont en fait les trois parties. C'est vos mantras. Absolument. Non, c'est plutôt, en fait, qu'est-ce que c'est que ce spectacle? C'est un spectacle qui va venir parler directement au spectateur pour lui créer une sorte d'électrochoc. Un électrochoc pour le réveiller et pour réveiller cette force qu'on a tous en nous, en réalité. Ce feu ardent que moi, j'appelle culot, que d'autres personnes un petit peu plus érudites vont appeler libre-arbitre ou liberté, mais qui est cette audace folle qu'on peut avoir pour passer à l'action et se retrouver soi-même, pour ne pas passer à côté de sa vie. Et donc, les trois étapes pour arriver à cette version la plus libérée de nous-mêmes, c'est d'abord, évidemment, de désobéir, donc de transgresser, de renouer avec son esprit critique, d'oser penser par soi-même. Ensuite, d'oser, c'est-à-dire passer à l'action, se dépouiller de la honte, se dépouiller du regard des autres, et ensuite jouir. Prendre du plaisir à tout ça. Donc, quoi. Vous osez, vous vous infiltrez parfois partout. Il y a une personne qui a voulu s'infiltrer dans cette interview, et vous la connaissez bien, regardez. Marie m'a quand même entraînée quand on avait 5 ou 6 ans à inviter toutes nos deux classes, donc 2 fois 30 personnes, à assister à une représentation qu'on a donnée chez ses parents, d'une chorégraphie qui devait faire 3 pas et d'une chanson qu'on avait inventée qui devait faire 3 lignes. Donc on a reçu 60 personnes chez ses parents pour danser et chanter autour de nous. Et tout ça en bikini à paillettes argentées et dorées. Donc ça, c'est une petite anecdote que j'ai trouvée intéressante. Et sinon, vous pouvez peut-être demander à Marie pourquoi la sortie de son clip « Elle danse » a pris autant de temps et comment s'est passé son dernier séjour à New York. Oh, il y a des questions là. J'adore. Alors pourquoi quoi? Je ne sais pas ce qu'elle me raconte. Moi, j'étais omnibulée, je voyais son papier peint derrière parce que c'est mon amie, c'est ma meilleure amie, c'est mon amie d'enfance, Léa. New York, qu'est-ce qui s'est passé à New York? Non, mais à New York, on est parti pour faire un clip avec mon associé. Et au final, vous savez, on est tellement toujours dans des trucs de spontanéité que les choses ne se passent pas toujours comme on voudrait. Voilà. Et la police new-yorkaise, c'est quelque chose. Voilà, c'est pas la police française. Il y a des gens qui sont un peu plus rigoureux. Voilà. Vous restez avec nous. J'espère que vous allez peut-être oser des trucs, là, sur le plateau de Télématin. Je ne sais pas ce qu'on va vous inspirer. Parce qu'à 9h30, tout peut se passer. Pour voir ça, il faut revenir. À tout de suite.